Et voici Delfino, qu'on voyait dans ses œuvres. Le commentaire d'Olivier Thomas le précisait. Il remportait cette superbe épreuve sur l'hippodrome d'Anguin. Le prix Jean-Luc Lagardère, devant le regretté Gallius notamment. Rendez-vous compte tout de même de cette performance exceptionnelle de ce cheval. Delfino, plus que demi-millionnaire en gain depuis le début de sa carrière, qui compte 15 succès en très peu de prestations, puisque c'est un cheval qui ne court qu'à bon escient sous l'impulsion de Mathieu Mottier notamment. Je vérifie, oui c'est ça, c'est 15 victoires pour 65 courses, un trotteur d'une très grande régularité et ayant performé face aux meilleurs. C'est le produit de Speedy Blue, qui compte beaucoup pour Jean-François Marie, qu'on salue bien sûr, qui est là au premier, qui est aux premières loges. Et puis la mère, elle est par Gazouilly, il est présenté par le haras de la Bonnelière, ce Delfino, gagnant de groupe 2, record de 11. Vainqueur de Critérium au niveau de son pédigré, puisqu'on retrouve Speedy Blue, le père, et puis je vous le disais, la mère, par Gazouilly. Un papier exempt des 100 de Speedy Crown, Cocktail Jet et Viking's Way nous précise le catalogue, et c'est à juste titre pour en effet s'assurer de vos bons choix, vous les éleveurs qui êtes venus aujourd'hui rencontrer Delfino. Romain.